Tablier, Adduction Média, c'est Web Média. Salut déjà, c'est Woody Woodboy. Adduction Média, c'est libre ou garder. Kid sur Facebook, kid sur Instagram, quel que soit côté, et yo média. Et yo lié, c'est pas où. Anti-promotion, ça fait la passion, c'est sur Facebook, là, va promoter, pas poser de questions. Bonsoir le peuple là, nous tout gétan wè ki eske la, c'est Tati Mendel, moi dans Florida, moi dans Sunrise Tax. Sou m ka vin la sou New York, c'est parce que yo fò fè l'argent, OK? So make sure que yo vin fè tax ou la pote tout document yo, m pral fè l'argent. Vini m ap retan nou tout. Ou ka rele Sunrise Tax nan numéro téléphone ki c'est 954 641 2880. Ça c'est un commentaire week là, demain si Dieu veut, n'appuie Tati Mendel. Sunrise Tax, Income Tax. Et puis tout cash adresse là, c'est oh lolo, oh my word. Boss là, bon service. Relez-nous encore dans 954-741-2880 ou bien 954-793-0364. Dans l'émission ça, moi parler nous déjà, moi dis nous que nous t'ai fait cette analyse pam sous question de Claudia avec Chaba. Et me t'ai prendre le soin, me t'ai prendre le temps pour me te dire nous que you know seul monde qui t'est supposé éviter que toute barrière ça arrive entre Claudia avec Chaba et Jeff. Il parle autre que Jeff. Parce que Jeff t'est supposé gentleman là. C'est Jeff qui était supposé éviter que Claudia nan émotion que le pa ka kembe al nan vore bagay nan fik Chaba. Et c'est monsieur tout qui était supposé éviter vacam pour aller nan goumen avec Chaba, qui m'a rappelé que c'est papa de petite Claudia que le marié avec. Alors pour information, m'a rappelé nous que Mounio, malgré tout ce temps de que tu as passé là, dans la République Dominicaine, malgré tout scandale que tu as eu en Chaba, Jeff et Claudia, m'a dit nous que Jeff, amin Claudia avec Chaba, pas jamais divorcé. Ok? Yo dit que yo divorcé, yo m'a dit séparé, mais pas un divorce qui qu'on fait. Elle dit divorce sans pas qu'on effectif. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que en dépit de tout ça nous attendons dans la rue hein, pas y a un côté qui a prouvé que si Chaba a un cacarel qui prend que c'est pas Chaba y a obligé relé. Parce que sur les papiers jusqu'ici on reconnaît Chaba comme étant le mari de Claudia. Alors, il ne va pas me venir connait dans bagage ça. On hein? Prend le son pour m'expliquer nous on bagage là dans dossier ça. Dès que Jeff a montré que il gagne gros grain malgré monsieur en prison monsieur Debao, monsieur te font une déclaration qui pour moi pour changer donne bagaille. Déclaration que monsieur te fait hein, c'est une déclaration pour moi qui te paraît arrogant et stupide en même temps. Je trouve tout d'abord que trop arrogance dans déclaration monsieur. Même je trouve monsieur assez stupide. Je trouve monsieur assez stupide pour monsieur faire déclaration ça. Le monsieur te dit que il dit Chaba dans figil que il prend madame ni la prend deux petites filles. Yo. Alors que de ba me besoin comprendre dans deux ba ça. Le monsieur fait une déclaration comme on monsieur, un homme accompli. Et vous déclarez que vous prenez maman ou vous prenez petite. Et il faut toujours que je vous rappelle à chaque fois que de Simon n'a parlé que monsieur te, pour monsieur blesser Chaba, te dit, il prend madame Chaba, la prend deux petits filles. N'a parlé de deux Simon qui en bas âge. Deux Simon qui en bas âge. Et nous disons clair que si Chaba a prouvé par A plus B que monsieur te fait déclaration ça et que madame qui garde Timoun yo a vivre avec monsieur style, que si monsieur prend avocat, monsieur a prouvé que
Jeff te dit ça vrai. Ça capable on sorte de déclic pour permettre que Claudia perde du timon. Et dans cas ça, il est pas nécessaire que un Claudia réagit par rapport à la situation ça. Extrêmement important parce que moi le dis normal. N'a parlé de deux petits moun, deux petites filles qui en bas âge qui vivent sous même toit avec un nèg qui ou avèl. Même si c'est jouet ou bien sérieux qui fait une déclaration qui est capable de traîner derrière de conséquences. Si il y a des gens qui suivent moi à la lettre, qui suivent moi religieusement, il y a songé que me dit ça là. Que si Claudia son moun qui respectait tête li, si Claudia son moun qui respectait petite li yo, et si Claudia même le li pa Chaba encore gagne au moins un minimum de respect pour Chaba, style, alors ma parle de respect par rapport à petite yo. Parce que entre vous et moi, il n'y a aucun respect pour Chaba de que nous parlé de Claudia. Décision qui était plus difficile pour prendre, c'est quitter Jeff. Si nous voulons, m'a coupé 50 ans, on va chercher le. M'a coupé séquence, m'a mettez le pour nous dans la vidéo ça. Mais je voulais nous comprendre tout que c'est un choix qui est plus intelligent. Parce que qui c'est pour jouer, qui c'est pour blesser Chaba. Lors déclarer que vous prenez madame Chaba, which is Claudia, ou prenez deux timonio, pas quelqu'un qui dit un bon matin, pas plevé tête ou parti, et puis ou al molester timonio. Alors, je voulais nous comprendre tout que dans le pays qui vit là, qui c'est les États-Unis, son pays qui a une loi. Parole, même là du freedom, même là du freedom of speech. Mais on prend parole tout comme gros barré. Ou pas qu'à dire que n'est pas de barré tout, non, papa. Ou qu'on est le ou disons mon bagage surtout femme ou bien whatever moun qui dans situation de détresse ou bien en situation de fragilité il laisse sa violence il laisse sa violence verbale et le fait que monsieur fait déclaration ça pour monsieur t'a dit que la prend petite fille hein? Mais fille pas gain le choix donc semaine ça il ne va qu'à parler clé on est là rien c'est que Claudia mettait Jeff dire. Alors, m'a besoin de rappeler nous que c'est plus bonne décision le prend. Parce que par rapport avec ça fin passé si Claudia son monde qui a conscience, qui a réfléchi, qui finit par réaliser que après tout ça fin passé style c'est lui-même qui l'aide là. Et lui qui l'aide là et Chaba qui passait pour victime là. Lui l'aide là Chaba passait pour victime là. Et par contre qu'il y a rien qui capable prouver que gagner un avenir qui sûr entre Claudia et Jeff. Donc, dans le cas ça, la meilleure décision à prendre, c'est de laisser Jeff partir ou lui foutre à la porte. Et au moins, Claudia s'est montrée intelligente. Pour une fois, elle s'est montrée intelligente. Elle a dû tout simplement mettre Jeff à la porte. Et je pense que Claudia m'a donné un coup de cloche. Et pour décision ça, pour réaction ça, réaction mettez Jeff de yo. Bon, qu'on est là, pas oublié. Pendant qu'on a parlé de mettre Jeff de yo, Jeff still en contravention avec la justice dominicaine. Parce que ici, l'homme de dit nous que Jeff gagnait pour aller signer papier chaque 3 mois jusqu'à ce que Shabbat a décidé camper bagay ça. C'est Shabbat pour décider camper. Et bon me retourner sur ça pour me tout dire non le tout. Pas grand dit que c'est pas un deal qui fait. Pas grand dit que c'est pas un deal qui fait. Moi expliquer nous qui deal qui a fait dans cas ça. Deal qui a fait là c'est que Shabbat a dit souris mes petites moi yo. Souris mes petites ou yo. Plus que Jeff. Moi pas senti que petit moi se fait avec Jeff. Quitter Jeff aller ou bien mettre Jeff dehors, quitter Jeff m'a camper toute bagaille.
Alors, ça m'a dit non là, c'est analyse m'a fait. C'est chercher m'a chercher qu'on est. Vous comprenez? Ça arrive un deal qui fait. Quitter Jeff aller, m'a cancel tout bagage. Ça veut dire m'a pas abandonné toute poursuite contre Jeff. Ça va veut dire parce que Jeff, lui met Jeff dehors, ça va veut dire que s'il y a un petit bail, il pour le faire à Jeff. Même j'en même avant le THAB, même pendant le THAB, dès qu'on a fait la Jeff, que le papa le fait la Jeff. Donc, il doit faire ça pour façade, pour tout le monde qui a avec le met Jeff dehors. Pour capable prouver Chaba que oui, c'est vrai, met Jeff dehors. Abandonner les charges. Abandonner les charges. Et puis, les Chaba finit à abandonner les charges. Et puis. Il continue avec Chabal, avec Jeff Lee, ou bien il continue à coucher avec lui. Alors, là, maintenant, pas oublier, me dit nous, c'est. Posez-moi, poser question, c'est analyse pas ma fait. Mais si c'est vrai que pas de gens qui ont deal qui fait, pour le temps mettre Jeff dehors, pour gérer petit lit, pour ne pas perdre du timounio, ou bien pour Chaba, comme si pas continuer persister dans bagage Jeff là, parce que Jeff m'a rappelé nous obligé à se demander chaque mois ici, hein? Eh bien on a dit que si c'est pas ça, si pas grand qu'un deal qui fait, et Claudia prend décision qui puis sage pour protéger tête li, pour protéger petite li, parce que n'a vivre dans un pays qui fragile n'importe le là, il a perdu garde Simonio ou du moins et DCF qui a décidé venir poser question. Si Chaba vient porter plainte ici dans court ici. Si Chaba ne serait pendant une seconde, bien idée ça qui effleure l'esprit, qui dit, il va le porter plainte pour monsieur. Pendant que monsieur Steele a vécu dans le même cas avec Claudia, bagay ba de Steele, ni pour Claudia, ni pour Jeff. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Bravo, Claudia. Bravo d'avoir pris cette décision. Et tu t'es montré quand même très intelligente. Parce que je me dis bon conseil là. Et puis, peu de temps après, vous suivez le conseil là. Bravo. Et je pense que là, ou pas regrette la décision ça. Mais si toutefois, tu as décision que tu apprends pour ne pas continuer avec Jeff, et il est toujours plus bon pour tout, sous ta tournée à Marou. Pas grand-chose qui est mal comme ça, non? Il y a qui est mal qui vivait déjà dans la coupe et puis on est retourné ensemble. Donc, si tu retournes à Marou, décide de retourner vivre à Marou, Chabat style mes femmes, je crois dans ça. Du comme faire croire dans Chabat toujours aimer Claudia, et que Chabat n'importe lequel tourner à Claudia si. Claudia a montré que lui, désolé, il voulait vivre avec papa petit lui. Avec deux petits lui, que le style continue à pleuver pour Chaba. Ok? Donc, ça, c'est opinion, Pam, sur le dossier Claudia avec Chaba Jeff. Là. It's been 10 years since the birth of this band that only Destiny could have put together. On Saturday, April 23rd, Babas Production presents Class 10th Year Anniversary, a dinner and champagne event. The band that changed the HMI forever is celebrating 10 years at the Hyatt Regency downtown Miami. Event starts at 9 p.m. till 3 a.m. with red carpet beginning at 8 p.m. Saturday, April 23rd at the Hyatt Regency Hotel, downtown Miami. Tickets are $100 per person. VIP $250 with dinner and champagne included. Sponsored by law firm of Joel Antoine, Kola Shukun, GotPrep.com, Rapidity Bay. Plan for VIP reservations, call 786-306-6449 or 305-680-6439.